Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier sur les tendances en communication corporate. Je suis moi-même Géliane Haut, directrice du planning stratégique au sein de l'agence Epoca, et je suis accompagnée de deux de mes collègues. Bonjour, je suis Laurent-Cédric Vercher, directeur associé en charge des stratégies d'engagement. Et bonjour, Axel Salmon, donc directeur associé également en charge de l'équipe stratégie corporate, donc stratégie de marque, accompagnement de la transformation et dispositif d'image et de notoriété. Alors, si vous le permettez, peut-être je vais vous présenter en quelques mots l'agence Epoca pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Epoca, c'est une agence française indépendante. Vous êtes ici dans notre studio Cube, donc au 48 rue Croix des Petits Champs, qui est notre adresse. Nous sommes donc une agence de communication active sur trois grands champs, le corporate, tout ce qui est communication RH et le B2B. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de corporate et notamment des tendances 2023. Alors, nous sommes 200 dans nos locaux pour environ 350 clients qui sont vraiment actifs dans tous les champs économiques, sociaux et culturels. Et nous sommes en action sur à peu près tous les métiers de la communication, donc agence intégrée avec les métiers du conseil, comme je le disais, de la stratégie de marque, de l'accompagnement de la transformation, toute la dynamique d'engagement autour de Laurent Cédric et ses équipes, avec les réseaux sociaux, avec le digital, avec l'édition, l'influence et les relations publiques, relations presse évidemment, l'événementiel et puis tout ce qui est stratégie B2B avec notre filiale Areci. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur cette slide, je vais juste rappeler que nous sommes très heureux et très fiers d'avoir été élus agence corporate de l'année et notre filiale Areci, agence B2B de l'année. Et plutôt vous parler de l'écosystème Epoca, puisque je vous ai parlé de l'agence Epoca, mais Epoca, c'est tout un écosystème de filiales et d'expertise. Vous en voyez quelques-unes sur ce slide, mais effectivement, on a cette agence Epoca Hub qui est notre agence dédiée aux startups. On va parler tout à l'heure de stratégie de marque. Elles sont effectivement très consommatrices de mise à jour de leur logiciel de marque. Les studios Victoire, donc là, vous voyez effectivement notre studio Cube, mais nous avons également un autre studio que nous opérons. Donc ça, c'est notre dynamique audiovisuelle, gestion de crise, marketplace digital, média RH, l'hémicycle, le média des décideurs que nous avons le plaisir d'accompagner et d'animer également les soirées débats de l'hémicycle, des agences conseil avec Anteus, une agence de placement de personnalité avec Ask Who, qui est une très jolie agence sur cette expertise bien particulière. Areci, j'en ai parlé. Et puis notre agence média et activation digitale, le MediaDesk. Donc voilà, Epoca, c'est une agence et toute une galaxie d'expertise et de professionnels. Alors, bah, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Effectivement, on va avoir un certain nombre de thématiques sur les 45 minutes qui nous occupent. Mais peut-être on peut commencer par une recontextualisation un petit peu globale pour sentir un peu le moment dans lequel on s'inscrit. Tout à fait. Merci beaucoup, Axel. Donc voilà, un slide en fait qui récapitule un petit peu, qui revient sur cette année 2022 un petit peu particulière, qui a notamment finalement cristallisé beaucoup de crises ambiantes qui impactent en fait le rôle des entreprises, des marques, des organisations, des institutions dans notre société. Et c'est vraiment ce qu'on monitore en fait au planning stratégique. Donc 2022, en fait, s'il y avait un qualificatif, ce serait peut-être de la désigner comme une année polycrise. Et nous, souvent, ce qu'on se dit, c'est qu'on est un petit peu coincé entre cette urgence en fait de faire face en fait à la fin du monde. Et le dernier rapport du GIEC n'est pas extrêmement enthousiasmant. On l'a vu pour ceux qui sont allés passer leurs vacances sur le bassin d'Arcachon l'été dernier, les impacts réels en fait de ce réchauffement climatique. On n'a jamais vu autant d'incendies et autant en fait de cumulation aussi de chaleur durant nos étés et aussi nos hivers. De l'autre côté, on a en fait des crises multiples, c'est-à-dire qu'on a une véritable crise politique sans majorité à l'Assemblée, donc on a quand même un nouveau mandat présidentiel qui s'ouvre dans un contexte un petit peu particulier, contexte dont on voit justement les conséquences hein, immédiates, avec notamment l'appel à outrance hein, au 49-3, de multiples grèves également,
Des médecins libéraux, évidemment des transporteurs, également dans l'éducation nationale, donc finalement des grèves assez multiples qui connotent justement un contexte un petit peu particulier et on va y revenir. Et enfin, n'oublions pas que nous avons une guerre en fait en Europe et évidemment toutes ces conséquences dont on voit les effets aujourd'hui avec bien évidemment tout ce qui est lié à la crise énergétique, bien entendu, et l'actualité a pas mal couvert ce sujet-là cet hiver avec beaucoup d'incertitudes et également toutes les questions en fait au sujet d'un pouvoir d'achat et évidemment des performances des entreprises. Donc voilà aussi dans quel contexte en fait s'inscrit cette année 2023. Contexte qui a l'air un petit peu déprimant, dit comme ça, mais finalement qui ouvre aussi un nouveau rôle, en tout cas des marques, et c'est vraiment ce qu'on va chercher en fait à observer aujourd'hui tous ensemble. Absolument, et nouveau rôle des marques et des organisations. Et d'ailleurs, tu évoquais le dernier rapport du GIEC. On trouve qu'il y a quand même un sujet assez intéressant en termes de position de cette organisation qui a toujours en fait s'est exprimé en observateur neutre et qui présentait finalement des perspectives en matière de transition climatique et qui en fait en 2022 a opéré une vraie bascule puisque maintenant chaque rapport est assorti de solutions. Donc en fait, on voit aussi, et c'est le côté positif des choses, c'est qu'on constate en fait les problématiques auxquelles on fait face, mais aussi on essaye de donner des orientations et à chacun des clés de compréhension pour agir concrètement par rapport à ce sujet. Donc le premier mouvement qu'on voulait adresser, en effet, on l'a nommé de la marque totale à la responsabilité totale. Alors peut-être, petite explication de texte sur la marque totale, parce que certains d'entre vous ont peut-être participé il y a un an maintenant à l'atelier sur les tendances de communication corporate qui se tenait ici au même endroit, à peu près à la même période de l'année d'ailleurs. Et en fait, on était parti du postulat justement que les entreprises et les organisations devaient faire preuve d'une très très grande cohérence dans leurs récits qu'elles adressaient auprès de leurs différentes parties prenantes. Et donc en fait, l'année dernière, tout notre atelier était en fait sur cette idée-là et portait justement l'absolue nécessité des entreprises et des organisations à bâtir en fait une stratégie de discours qui allait permettre justement de porter des grandes thématiques communes auprès des différentes audiences. Alors aujourd'hui, cette idée-là, pour nous, reste absolument toujours valable et on ne la remet pas du tout en question. En revanche, évidemment et naturellement, et d'ailleurs tout le contexte expliqué par Jayen en introduction montre bien à quel point on est dans une accélération où en fait la question de la responsabilité des entreprises et des organisations prend une place vraiment fondamentale et centrale au sein des récits des entreprises. Et finalement, cela pour plusieurs raisons. Alors, je pense que, en fait, d'ailleurs, il faudrait peut-être repartir des accords de Paris qui ont encouragé toutes les entreprises à s'inscrire dans une feuille de route de réduction de leur empreinte carbone d'ici à 2050, et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, une grande partie des entreprises qu'on accompagne s'engagent en matière de réduction de leur empreinte carbone. Et d'ailleurs, inversement à toute l'évolution de la réglementation en matière de fiscalité, justement sur notamment les énergies carbonées avec la taxe carbone ou le prix de la tonne carbone qui, on le voit bien sur les courbes présentées sur le slide, ne font que croître, et c'est naturel puisque l'idée c'est de pouvoir réduire justement la consommation de ces énergies. Donc réglementation qui évolue, qui incite toutes les organisations à s'engager davantage. Et puis également, nouvelle réglementation et nouvelle directive européenne intéressante, CSRD, qui vise justement à densifier, à harmoniser au niveau européen le reporting de toutes les grandes entreprises d'un point de vue du reporting extra-financier dans une nouvelle forme de rapport de durabilité. Et donc en fait, cette nouvelle norme là commence à s'appliquer presque finalement déjà en 2023, puisque en fait les grandes entreprises vont devoir communiquer sur leur rapport de durabilité en 2025. Donc ça veut dire préparer en 2023 les critères qui vont être analysés en 2024. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà vraiment à prendre en compte très concrètement,
notamment par toutes les organisations qui étaient soumises à la réglementation NFRD, et qui finalement, par extrapolation, va concerner toutes les entreprises, et également celles qui ne vont pas être concernées par cette réglementation, mais qui vont forcément aussi développer leur récit en matière de extra-financière. Donc ça, c'est un mouvement vraiment très, très important, avec d'ailleurs d'autres mouvements associés qui vont aussi dans cette dynamique-là, Tax Transparency notamment, sur les questions de transparence en matière fiscale. Et puis, le pendant un peu moins corporate, mais qui concerne finalement les entreprises, notamment en matière de publicité, et là, qui est vraiment sur un scope purement français, avec une évolution assez fondamentale de la loi qui impose et qui marque une très très grande avancée en matière de greenwashing, puisque toutes les allégations qui seront autour de l'idée de la neutralité carbone d'un produit ou d'un service devront faire l'objet d'éléments vraiment très tangibles et accessibles pour pouvoir faire la démonstration de l'ensemble du cycle de vie de ce produit ou cette solution. Et il y a des contraintes et également des sanctions potentielles qui peuvent être s'imposer à tous ceux qui détourneront ces réglementations. Donc réglementation qui évolue, et puis aussi finalement une ère qui poursuit de se développer autour de des questions de démonstration, de la preuve et de la transparence. Et là, en fait, l'idée, c'est pas du tout de stigmatiser des annonceurs plutôt que d'autres, mais en fait, on a pris trois exemples qui nous paraissent, en fait, finalement, surtout des exemples qui potentiellement peuvent présenter des risques réputationnels. Rapidement, les campagnes pour de Charal sur leur gamme de produits biologiques porte une forme de sous-entendu d'une très très grande extension justement de cette offre, et quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que la gamme de produits biologiques de Charal, c'est que 5% en fait de leur production. Une très très grande banque s'engage en publicité très très fortement sur les questions de changement climatique, mais c'est le premier financeur mondial d'énergie fossile. Et là, on n'est pas du tout là pour porter un jugement, mais voilà, potentiellement, on sait que ça peut porter un risque en matière de réputation. Et puis, troisième sujet que vous avez peut-être vu aussi, la ville de Pantin, qui, de façon un petit peu événementielle, peut-être un peu opportuniste aussi, a décidé pour l'année 2023 de réviser son identité et donc de féminiser le nom de sa ville pour montrer justement en fait son engagement en matière de parité. Il faut s'assurer aussi que c'est ce que les services de la ville expérimentent au quotidien pour s'assurer qu'on ne risque pas d'enjeux réputationnels. En tout cas, très concrètement, on a déjà vu un peu des bad buzz autour de cette opération et beaucoup de pastiches, donc c'est vraiment d'une très très grande sensibilité. Transparence, dans tous les sujets de communication, et puis aussi transparence finalement dans nos modes de vie personnels, et on a pris et dans finalement la façon d'avoir un rapport aux autres. Deux exemples de réseaux sociaux qui nous paraissent particulièrement emblématiques de cela, donc c'est deux nouvelles plateformes, Biril et puis Locket Widget, qui en fait sont vraiment dans une forme d'imposition de la transparence, puisque sans filtre, on m'impose, quand je suis fait partie de la communauté Biril, de partager, ben là par exemple, tout de suite, sur une notification, les 2 minutes instantanées du moment que je suis en train de vivre. Et il y a une forme de challenge qui se joue de cette manière-là au sein de ma communauté. Et évidemment, il faut tout de suite s'exécuter à partager sans filtre les moments qu'on traverse. Et Locket Widget, d'ailleurs, c'est exactement la même idée, mais avec quelque chose de finalement encore beaucoup plus intrusif, puisque l'application est dans son téléphone avec finalement une régénération. La caméra est permanente, en fait, dans mon smartphone. Donc question de transparence, et puis aussi responsabilité totale, c'est des réflexions par rapport aux engagements des entreprises. Et là aussi, en 2022, on a vu s'accélérer
finalement un nouveau leadership par rapport à des combats que les entreprises pouvaient porter. Et notamment, on voit à quel point les entreprises sont à l'aise pour sortir de logique de combat, de porter des combats de façon individuelle pour le faire de façon collective, en coalition, dans le cadre finalement d'un mouvement et portant en fait l'idée que plus on est nombreux à agir, plus en fait on a d'impact. Et un des beaux exemples de 2022 en la matière, c'est le sommet de l'inclusion économique où une centaine d'acteurs se sont réunis autour de la cause portée par la Fondation Mosaïque sur le sujet de la diversité et donc de l'inclusion économique, la diversité dans les entreprises et les organisations. Et en fait, où là, finalement, on voit que on n'est plus seul à agir, mais on essaye avec parfois même des concurrents, des partenaires ou des univers assez différents à réfléchir à comment tous ensemble on peut faire avancer un sujet si important pour notre société. Et puis aussi, on peut saluer deux initiatives vraiment extrêmement intéressantes portées par séparément, évidemment, le Crédit Mutuel et la Maïf sur finalement l'exploitation des bénéfices de l'entreprise et notamment avec la création d'un dividende sociétal et écologique, dividende qui va en fait vraiment permettre d'utiliser les bénéfices de l'entreprise pour pouvoir justement avoir une accélération des actions, notamment sur toutes les dynamiques de responsabilité et d'engagement pour l'environnement, pour la société. Donc, entreprise qui s'engage et qui s'engage donc en mouvement, mais aussi patron qui décide de s'engager avec en fait finalement une forme de double ligne, à la fois évidemment portant des combats pour leurs entreprises, mais aussi de s'engager à titre individuel. Et notamment, sur la slide, on présente quelques initiatives intéressantes. Le patron de Patagonia qui poursuit notamment en fait le mouvement de cette entreprise qui est déjà extrêmement engagée et qui défend déjà dans les territoires énormément d'actions, notamment sur des logiques environnementales, qui décide de consacrer l'intégralité de ses futurs bénéfices justement pour pouvoir continuer à faire bouger les lignes d'un point de vue environnemental. Alors, c'est un peu périphérique, mais malgré tout, on ne pouvait pas non plus laisser complètement de côté ces patrons qui s'engagent et qui prennent notamment des participations très, très importantes dans Twitter et avec tout ce qu'on a pu connaître l'année dernière sur en fait des remises en question. Là, pour le coup, c'est aussi la responsabilité individuelle et ma responsabilité en tant qu'actionnaire, liberté et notamment donc du coup vraiment qui questionne des sujets aussi importants que celui de la liberté d'expression. Et puis d'ailleurs aussi, qui questionne finalement aussi des vraies des stratégies des entreprises qui utilisent ce réseau social comme un média et qui se retrouvent finalement, de par cette nouvelle prise d'actionnariat, limitées dans leurs actions, dans leur communication, et puis aussi qui se retrouvent potentiellement impactées dans leur activité, puisqu'on voit à quel point l'influence de certaines déclarations d'Elon Musk notamment, ont pu faire valser des cours de bourse et déstabiliser des organisations et des entreprises extrêmement importantes. Pour poursuivre cette idée autour de la responsabilité totale, notre point, c'est de se dire que, en fait, évidemment, l'engagement des entreprises et des organisations, il doit être total pour être une vraie clé d'ailleurs à la fois de crédibilité et d'attractivité de l'entreprise. Donc être total, ça veut dire couvrir l'intégralité des champs de la RSE d'un point de vue environnemental, social et sociétal. Et on a été vraiment intéressé par les deux chiffres qu'on vous présente là, c'est-à-dire que pratiquement 9 Français sur 10, 89% d'ailleurs, c'est important de dire les bons chiffres, 89% des Français attendent justement que les entreprises contribuent au bien commun.
Et notamment, en fait, particulièrement, alors on a interrogé, c'est un sondage qui interrogeait la population française, s'attendent que les entreprises investissent particulièrement dans la production en France, sur des questions environnementales, sur aussi la redistribution des bénéfices. Ce qui est intéressant de voir, donc c'est vraiment une attente très très massive de la part des entreprises et de ces engagements. Mais c'est aussi une très très belle évolution parce qu'en fait en 2017 on n'était qu'à 64% sur la même question. Donc en fait on voit vraiment en très très peu de temps à quel point il y a une accélération de ce point de vue-là. Et puis à contrario, 84%, donc pratiquement dans les mêmes proportions, les Français qui pourraient aussi finalement décider de boycotter, d'ailleurs il y a des exemples, ou d'abandonner une marque qui ne va pas se comporter de manière responsable. On a du coup essayé de comprendre plus précisément les leviers de motivation et notamment l'année dernière, on a en menant une étude sur la crédibilité des entreprises avec Harris Interactive, on s'est rendu compte, et là aussi en fait que c'était une attente massive, que la population française voulait que l'entreprise intervienne très très fortement sur le sujet de l'environnement, vous voyez sur le nuage de mots. C'est ce qui ressort vraiment de façon majeure et principale. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on regarde le deuxième niveau, c'est que finalement, là aussi, l'attente, elle est sur tous les pans de la RSE. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vraies attentes d'un point de vue sociétal, notamment d'égalité des chances, d'égalité par rapport au travail, et puis des attentes aussi au niveau social, de bien-être au travail, par exemple. Et puis, une autre attente intéressante, finalement, que nous révèle une étude portée par Kantar en 2022 également, qui dit « oui, j'attends que l'entreprise s'engage et ait des actions qui ont un impact, mais en fait, finalement, j'ai surtout un intérêt pour qu'elle s'engage dans quelque chose qui est cohérent avec, finalement, ce que porte l'entreprise ». Pour notamment le secteur de alimentaire, on a envie qu'elle s'investisse particulièrement dans son champ d'activité, en fait. La lutte contre le gaspillage, des questions sur la santé en lien avec l'alimentation, ou alors sur les filières et les modes de production. Voilà, vraiment une corrélation entre finalement mon utilité et mes impacts et mes engagements. Donc, engagement, responsabilité totale, évidemment avec un vrai lien stratégique. Nous, on a envie de défendre aussi une idée complémentaire qui est celle de la communication et de partir du principe qu'en fait, la communication et notamment la communication corporate qui est la première à porter des éléments clés de révélation de la stratégie de l'entreprise, bah, finalement, elle doit être aussi en symétrie avec cette stratégie de l'entreprise. Et elle doit être également finalement en symétrie avec une stratégie particulièrement engagée sur des questions de responsabilité. Et donc finalement, réfléchir à comment, en termes de conception notamment, elle est par exemple éco-conçue d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, une campagne de communication corporelle qui va expliquer en quoi une entreprise réduit son empreinte carbone, nous, on est absolument convaincus que c'est essentiel d'avoir réfléchi aussi dans la réalisation de cette campagne à son éco-conception. Et également, la même idée d'un point de vue sociétal, réfléchir et intégrer des notions notamment d'inclusion en matière de publicité. Et puis, et c'était un peu les exemples qu'on présente dans cette présentation, dans cet atelier, voilà, une vraie réflexion par rapport à l'authenticité des messages, la transparence, la vérité, parce que les risques sont tellement importants. Et puis aussi, d'un point de vue social, réfléchir à comment, d'un point de vue de la conception des dispositifs de communication, on est justement beaucoup plus dans des approches collaboratives et finalement qui permettent de co-concevoir avec ces différentes parties prenantes les actions de communication. C'est aussi une façon de les engager et de les embarquer dès le début des opérations. Et d'ailleurs, et pour terminer dans cette première section, deux idées.
deux campagnes pardon, qu'on trouve intéressantes de vous partager. Alors, pour la première, pour L'Oréal, on est très, très objectifs, puisque nous sommes complètement... c'est une référence qui est réalisée au sein d'Epoca. Mais un dispositif vraiment particulièrement intéressant, corporate, de communication financière, où en fait la volonté de L'Oréal, c'était d'ailleurs d'éco-socio-concevoir le dispositif, c'est-à-dire de réduire l'empreinte carbone de l'interface digitale et print également, mais aussi de la rendre notamment accessible au plus grand nombre. Et donc, il y a vraiment une double attente en matière d'accessibilité, d'éco-conception et d'empreinte carbone. Et donc, un dispositif qui est d'ailleurs audité et examiné par un organisme tiers indépendant qui nous permet notamment l'année dernière, de réduire, d'améliorer l'éco-score de 23%. Et puis, dans un registre très, très différent, vous l'avez sans doute vu, cette très belle campagne de la SNCF qui, pour le coup, en fait, est sur des leviers vraiment de symétrie, là aussi, entre les grandes convictions de l'entreprise et avec un vrai effet miroir sur le projet de société et le projet de la société pour la société, en faisant notamment un film publicitaire qui fait une très, très belle démonstration d'un projet d'entreprise engagé pour différents sujets, d'ailleurs une mobilité plus verte, une mobilité plus inclusive et un vrai ancrage dans les différents territoires. Donc là, on voit à travers vos propos respectifs qu'on est quand même dans un moment qui n'est pas neutre. Il y a des mots importants qui ont été cités et qui balisent un petit peu la réflexion sur ce qu'est même une marque. Hein. Tu parlais, Laurent Cédric, d'engagement, de responsabilité, de transparence, de vérité. Et je trouve qu'on est... C'est un moment assez fantastique pour faire ces métiers de la stratégie de marque, puisque typiquement, nous, ce qu'on constate, c'est presque une bascule entre des stratégies d'attention, des stratégies publicitaires, voire presque simplificatrices et manipulatoires, vers des stratégies éditoriales beaucoup plus complexes qui visent justement à présenter la marque dans sa vérité. Et donc, ça suppose de s'exposer davantage, ça suppose effectivement d'être dans des logiques pas uniquement de messages et de signifiants, mais aussi d'action, puisque cette synchronisation entre ce que dit la marque et ce que fait la marque, on le voit bien aussi à travers les cas Maïf que tu as pu évoquer, elle est absolument majeure. Et puis ça interroge aussi un sujet qu'on aime bien évoquer avec Jane, qui est celui de la temporalité, puisque ce que l'on constate également, c'est que, alors sans tomber dans le poncif du « le monde change, on est dans une société VUCA et tout est instable », mais la marque a besoin, parce qu'elle a justement cette nouvelle responsabilité de marque totale, de se resynchroniser peut-être plus que d'habitude sur le moment présent et sur les attentes du public, parce que ce que l'on voit aussi dans ton propos et dans toutes ces études qu'on peut mener, ces baromètres au fil des années, c'est cette attente justement. C'est-à-dire que la marque, c'est ce qu'on essaye d'exprimer à travers cette petite formule, elle passe d'une logique de marque repère, donc c'est-à-dire sa fonction première qui va être de créer de la préférence, de créer de la garantie et de créer un contrat entre la marque et ses publics, à des logiques beaucoup plus projectives, et on quitte un petit peu la dynamique consumériste de court terme pour s'inscrire dans des dynamiques beaucoup plus ambitieuses de long terme. Alors, ce n'est pas une tendance 2023, c'est une tendance de fond, bien sûr. On a vu énormément d'expressions de cette tendance. Je pense à la loi PACTE, notamment, qui a mis le pied à l'étrier d'un certain nombre d'organisations sur cette réflexion et qui les a mis dans une dynamique, justement, sur une trajectoire, en fait. Sur une trajectoire. Et c'est un petit peu le sens de ce propos. C'est effectivement... Et nous, ça a énormément challengé la façon dont même on fait de la stratégie de marque, hein, la façon dont on crée ou dont on met à jour des marques de façon beaucoup plus ouverte, en co-construction avec avec les parties prenantes de l'organisation qui peuvent être extrêmement nombreuses, à plus forte raison quand justement on prend ce prisme-là, et encore une fois sur la temporalité, puisqu'on est amené parfois à se resynchroniser les marques beaucoup plus fréquemment. Alors, ce que l'on constate en ce moment, il y a quand même deux, trois choses qui nous paraissent assez singulières et qu'on aimerait vous partager. Mais quelque part, c'est assez logique. C'est
l'arrivée du politique, avec un grand P, dans la réflexion autour de la stratégie de marque. Et effectivement, on voit qu'au-delà de cette dynamique de préférence, plus que jamais, la marque, elle sert à créer du sens et de l'engagement. Du sens parce que elle est l'expression d'une certaine vision du monde. Et on le voit bien à travers les différents cas qui ont été cités par Laurent Cédric. Hein, encore une fois, on n'est plus dans l'unique formalisation de la proposition de valeur. On est dans quelque chose, alors c'est le rôle de la marque corporate, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus matriciel. Et c'est ce qu'on disait l'année dernière avec la marque Total. Hein. La marque corporate entraîne la marque employeur, la marque commerciale, et tout ça se répond dans une parfaite synergie parce que ça correspond justement, encore une fois, aux attentes des publics qui voient les organisations, qui voient les marques. Pourquoi en fait elles sont attendues? Parce qu'elles sont perçues comme en capacité d'action et en capacité de changer les choses. Et on le voit encore une fois à travers les exemples que tu as pu présenter, Laurent Cédric. Alors, petite tendance effectivement sur le politique et le retour de la marque France, du terme France dans ce que l'on travaille au quotidien. Et on voit que post-Covid, effectivement, il y a eu cette dynamique aussi de se réancrer, de travailler des marques souveraines. Et on voit beaucoup de marques institutionnelles, beaucoup de marques qui justement prennent ces dynamiques de marque programme, qui vont justement être l'expression de cette trajectoire en s'ancrant justement sur cette dynamique France qui va donner de la légitimité, qui va donner de l'assise. Alors on a mis quelques exemples, France Relance, on parle beaucoup de France Travail aujourd'hui, Destination France, mais il y en a bien d'autres, hein, France Emploi Domicile, France Senior, France Tiers-Lieu, France Agri-Voltaïsme, il y a énormément d'exemples qui viennent montrer cette tendance justement de pouvoir effectivement avoir des marques qui vont quitter, on va dire, les acronymes un petit peu classiques des grandes fédérations, des grandes logiques sectorielles, pour pouvoir avoir des noms porteurs d'une volonté vraiment de souveraineté française parfaitement assumée et retrouvée. Puis à l'inverse, on voit quelque chose qui nous paraît aussi assez intéressant, c'est quelque part les marques politiques, qui pour le coup sont des marques partisanes, qui vont quelque part se neutraliser un petit peu et retirer un petit peu les marqueurs partisans qui faisaient toute leur singularité et qui les positionnaient dans le champ politique. Là, par exemple, la nation, la République, l'union, la dimension populaire, même si on la retrouve aujourd'hui dans la NUPES, mais qui va plutôt les noyer dans un acronyme. Mais on voit émerger justement ces marques qui vont investir le champ du bénéfice et du programme plutôt que de l'institution. Et là, effectivement, on a beaucoup de marques politiques qui sont en action, en mouvement, donc évidemment en marche, mais agir, reconquête, renaissance, on est sur l'impulsion, voire on est sur la direction, horizon, lointain, mais non qualifié, mais pas forcément sur la méthode et sur justement les grands jalons de sens qui vont nous permettre de cranter les choses. Donc il y a une petite confusion des genres, il y a beaucoup de nouvelles marques également en politique, ce qui contribue à flouter un peu les appartenances partisanes et ce qui voilà, est à l'image aussi du moment de reconfiguration politique qu'on est en train de connaître. Et inversement, les marques, on va dire, plus commerciales, vont justement, comme on se le disait, et en parfaite cohérence justement avec l'arrivée du politique et du temps long dans leur discours de marque, eux trouver justement des attributs de trajectoire et voir se faire un petit peu l'expression du combat qui est le leur. Alors, il y a beaucoup de marques qui vont préempter justement des combats, inspirer la transition vers l'alimentation végétale pour Bonduelle, avec le Bipact, Volkswagen Way to Zero, Making the World a Better Home. On est quand même sur des programmes extrêmement ambitieux qui, encore une fois, dans une logique de parfaite synchronisation entre la marque commerciale, la marque institutionnelle, la marque corporate, va justement avoir pour vocation d'engager tout leurs parties prenantes, tout leur public autour de cette trajectoire et pour donner du sens à leur action, avec aussi une certaine forme d'humilité, à savoir, voilà le cap que l'on se fixe. La route est longue, on sait qu'il y a effectivement un certain nombre d'étapes.
on est prêt à assumer le fait que nous ne sommes pas parfaits en un temps zéro, mais nous sommes sur cette trajectoire et nous allons avancer ensemble. Et ça, forcément, ça reconfigure à la fois la façon dont on travaille les marques et dont on fait émerger les nouveaux codants des marques, qu'ils soient sémantiques, qu'ils soient argumentaires, qu'ils soient visuels. Mais effectivement, ça interroge même les outils qu'on peut utiliser, puisqu'on voit qu'on est de moins en moins, et on va le voir aussi dans les tendances design, dans des marques qui sont figées, qui sont des temples corporate inaliénables, inattaquables. On est plutôt sur des marques qui sont de plus en plus ouvertes, à la fois dans la façon dont on les construit, mais aussi dans la façon dont elles s'expriment. Et quelque part, les sacro-saintes plateformes de marques ont plutôt vocation à ne plus devenir des prisons de la marque, mais au contraire, plutôt des choses un peu plus plastiques, un peu plus modulables, qui permettent d'initier un vrai dialogue de marque, plutôt que... chose qui va restreindre et puis surtout temporaliser la marque en fait, c'est-à-dire une plateforme de marque réalisée en un temps zéro en fait va vite devenir caduque. Donc l'idée c'est de pouvoir être sur quelque part un mouvement beaucoup plus agile dans l'accompagnement, le traitement de la marque et évidemment avec la façon dont on va la faire vivre avec les stratégies d'édition, les stratégies d'engagement. Alors pour parler rapidement de design et sous le contrôle de l'équipe design qui travaille avec moi dans le pôle stratégie corporate, on assiste à quelques petites tendances qu'on trouve assez amusantes, notamment le retour de la nostalgie. Alors, pas uniquement chez les boomers, mais aussi chez la génération Z, hein, notamment avec des modes comme la mode Y2K, donc, qui m'amuse beaucoup personnellement. Mais on voit des grandes marques institutionnelles qui vont justement aller chercher dans leur histoire, dans ce qui fonde un petit peu leur ADN visuel, et vont reconvoquer des codes qui sont plutôt des codes, soit des années 50, 60, 70. On le voit avec Burger King, qui est un cas extrêmement intéressant sur la reconvocation de son identité 70s, ou Peugeot qui a été chercher ce lion assez majestueux et statutaire dans son historique visuel. On voit également les codes du rétro gaming qui s'installent énormément, vous pouvez le voir sur Kudo, ou comme je le disais, les codes du Y2K. Deuxième tendance branding et design qui nous intéresse, c'est justement un peu en écho de ce que je disais sur la plateforme de marque, avec un discours de marque qui va être intangible, inattaquable, sacralisé. En fait, on se permet de plus en plus, on voit que la marque, même dans ses expressions visuelles, elle gagne en agilité, elle gagne en souplesse, en modularité, et en fait, elle peut se transformer au gré des messages qu'elle porte. Donc c'est le cas notamment de cette marque d'une fondation néo-zélandaise qui va travailler sur sa syllabe d'attaque pour pouvoir effectivement la décliner et décliner quelque part tout son programme. Et on voit que cette marque, elle va vivre de différentes façons et le logo en lui-même est un terrain de jeu en fait pour pouvoir justement porter ces messages qui sont plutôt justement des messages qui seront en lien avec ses engagements et ses combats. Alors, Laurent Cédric parlait d'authenticité. C'est compliqué, l'authenticité en communication. C'est sans doute le plus complexe à aller chercher. Alors, on voit un certain nombre de choses qui se dégagent, comme par exemple, évidemment, le fait qu'on soit sur des communications de plus en plus incarnées. C'est évident, on va convoquer les différentes parties prenantes dans leur vérité, avec des mécaniques de vidéo qui vont être, alors, je ne vais pas dire pas sophistiquées, mais en tout cas, pas ostentatoire, pour être vraiment dans le moment et dans l'émotion de la personne. Puis on va voir aussi, par exemple, des codants d'illustration qui vont être là aussi sur des univers qui seront plutôt ceux d'un futur positif, durable, inclusif. On voit beaucoup se réinstaller le traité dessiné, avec des dessins organiques faits à la main, de la matière également, des aplats, voilà, le flat design va progressivement faire place à des choses qui vont être un peu plus texturées, un peu plus ouvertes, pas forcément parfaites, mais qui vont justement donner ce caractère d'authenticité au design qu'on peut développer ou au territoire visuel qu'on peut développer pour les marques. Voilà, là c'est la petite modularité du logo dont je vous parlais, et on voit que en fait la marque Be Equitable vit de façon très très ouverte. Parlons marque employeur. Tout à fait. Tu parlais de la marque Axel.
Il y a un champ, en fait, une dimension en tout cas de la marque, celle de la marque employeur, qui est devenue en fait ultra stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que on vient en fait de sortir d'une crise sanitaire qui a durablement en fait rebattu les cartes en tout cas de la relation au travail pour chaque collaborateur en fait, quelle que soit sa génération. On a aussi en fait une nouvelle génération qui arrive sur le marché et surtout on parlait de responsabilité, on parlait de combat, on parle en fait de trajectoire. On a en fait tout un tissu institutionnel et socio-économique qui est en transformation et cette transformation ne peut être portée en fait que par les forces vives en fait de toutes ces organisations qui sont les collaborateurs. Donc l'enjeu en fait est d'autant plus important. Je ne sais pas si vous aujourd'hui qui nous regardez vivez en fait des difficultés de recrutement. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, le monde entier en fait vit la même chose. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ça en fait dans les médias notamment. On a beaucoup parlé de cette vague de grandes démissions qui n'est pas comment dire inédite, ce n'est pas la première, mais elle reste en fait extrêmement haute. C'est-à-dire que on a en fait un taux de démission de 20% supérieur en 2022 sur des postes sécurisés, c'est-à-dire des CDI. De l'autre côté, on a une économie en fait qui se réouvre, c'est-à-dire qu'on a des besoins en fait en recrutement. Même quand je suis en transformation en fait digitale, aujourd'hui j'ai peut-être besoin en fait d'accueillir en fait des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions, des nouvelles compétences. Au-delà de ça, donc post-crise sanitaire, aujourd'hui, je peux repartir, en fait, je peux redémarrer mon activité différemment, mais je peux. Donc, les recruteurs, en fait, sont à l'affût. Le problème, c'est qu'ils ont des difficultés, non pas, en fait, d'aller sourcer des candidatures qualifiées, ça, c'est presque un problème de riche aujourd'hui, c'est tout simplement, en fait, d'aller sourcer, tout simplement, des candidatures et donc de provoquer la rencontre avec des candidats potentiels qualifiés ou non, puisque ça touche, en fait, l'ensemble des typologies et des niveaux de diplôme. La particularité aujourd'hui, c'est que cette crise en fait, du rapport au travail, on n'est pas sur une crise de l'emploi, mais vraiment du rapport au travail, elle s'infiltre en fait, dans des nouveaux des espaces d'expression qui dépassent en fait, le seul champ professionnel. C'est-à-dire que ça ne se passe pas sur LinkedIn, ça se passe plutôt sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc., où on voit naître en fait, des mouvements de désengagement au travail et portés par des personnes de tout âge d'ailleurs. Donc on a pas mal parlé dans les médias justement du « quiet quitting », c'est cette démission silencieuse, c'est-à-dire que je reste salarié, mais en fait je me désengage totalement de mon travail. Et on le sait aujourd'hui, l'absentéisme, le désengagement en fait, ont un impact sur la performance hein, des entreprises, c'est des choses qui sont quantifiables. On voit un nouveau mouvement naître qui est « act your wage », c'est-à-dire je ne travaille qu'à hauteur de ma rémunération et surtout pas au-delà. Donc, on est vraiment, en tout cas, sur ces notions de rapport au travail qui se redéfinit aujourd'hui. Et c'est particulièrement marqué, finalement, par cette arrivée, en fait, d'une nouvelle génération sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que, finalement, on parle beaucoup de la génération Z. Elle rebat aussi les cartes, en fait, des organisations. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à une génération qu'on accueille, hein, d'ailleurs, de plus en plus, que ce soit en formation ou en premier emploi, qui est, finalement, plutôt dans des modèles type CDD, freelancing, intérim, etc. C'est-à-dire plusieurs vies, en fait, dans une vie. On est très loin du cliché de la corporate company où je vais faire 40 ans de carrière, en fait, dans la même entreprise. Et ça, finalement, ça pose, évidemment, question sur la structuration même des entreprises qui, aujourd'hui, fonctionnent, en fait, sur un carcan CDI. Donc, ça pose aussi ces questions-là. Mais on a aussi, en fait, une jeunesse qui arrive sur le marché du travail et qui a un rapport, en fait, à la réussite qui est un petit peu différent, par exemple, de ma génération. C'est-à-dire qu'on assiste à cette génération des crypto kids, des financial natives, mais aussi, en fait, de nouveaux role models. C'est-à-dire que cette génération Z, finalement, va être beaucoup plus à l'aise avec, on va dire, les leviers financiers. Il y en a beaucoup qui boursicotent, qui investissent dans des crypto-monnaies, dans les NFT, etc. Et on a aussi, finalement, ces nouveaux role models d'une réussite facile, on le voit avec les influenceurs. On a même l'ouverture, on assiste en 2022 à l'ouverture d'une école en fait, d'influenceurs, dont la promesse est de ressortir avec 20 000 abonnés. Donc c'est assez lunaire quand même sur la notion même en fait, de compétences et de réussite. On le voit aussi en fait, sur les impacts, par exemple, très consommés hein, par les jeunes, notamment plutôt justement qui souffrent de la fracture sociale, les Winamax, les Betclic, etc., qui sont dans cette promesse aussi en fait, d'argent, de réussite rapide et facile. Donc voilà, en tout cas, il va falloir composer justement avec cette jeunesse qui bientôt en fait, seront nos talents de demain.
Les conséquences en fait de tout ça, c'est qu'on assiste réellement à l'ultra-consumérisation de l'emploi. C'est-à-dire que comme tout simplement comme tout le monde cherche à recruter et que personne n'arrive à trouver, on assiste en fait à un système de surenchère. Donc on voit justement les revendications de gros salaires, de promesses évidemment de flexibilité, mais ça c'est presque devenu une norme aujourd'hui, vacances illimitées. Dans la tech, où la pénurie de main-d'œuvre, ou en tout cas de sourcing, a toujours été là, surtout quand on a une économie en fait qui se digitalise, mais dans son ensemble, donc tout le monde est concerné en fait par ces mouvements de digitalisation et donc par ces métiers. On arrive même finalement à des rencontres qui sont provoquées en fait, enfin qui sont rémunérées. C'est-à-dire que je vais être payée 500 euros pour un entretien dans une entreprise tech. 1000 euros si je passe en fait cette première étape. Donc je pourrais presque gagner ma vie en fait en ne passant que des entretiens en fait tellement le marché est tendu. Et je reviens juste aussi sur les conséquences de ça. Cette notion en fait d'ultra conquête en tout cas et de guerre en fait du recrutement peut donner lieu en tout cas à des dérives. On l'a vu sur l'Académie de Versailles notamment en 2022 face à la difficulté de recrutement en fait des enseignants dans l'éducation nationale. Ils ont organisé un job dating. Donc je recrute mes enseignants en fait sur la base d'un speed dating. Conséquence numéro 2, qui nous impacte plus, nous communicants en tout cas, c'est l'ultra-saturation aussi de l'espace médiatique. Moi, je me rappelle de mes trajets en métro le matin où on vendait en fait des produits et des services. Aujourd'hui, en fait, tous les panneaux que je croise me vendent en fait un emploi. C'est-à-dire qu'on a toujours face à cette difficulté hein, à recruter des entreprises, des filières, le gouvernement et au-delà en fait des campagnes des marques employeurs traditionnelles que sont l'armée, la police, la gendarmerie. Nous, on l'a fait par exemple pour la filière tourisme notamment qui avait des pénuries volumiques assez importantes en fait dans une économie touristique qui se libère et qui se réouvre. Donc on assiste là aussi sur le paysage communicationnel en fait à une surenchère en tout cas et un surinvestissement de nouveaux espaces et des espaces qui coûtent cher parce qu'on se parle en fait de campagnes d'affichage, de campagnes télé, etc. Évidemment, saturation sur le digital et le social, mais parfois aussi l'expression sur des canaux un petit peu improbables. On le voit avec l'exemple de Bonduel qui, à travers en fait, ses conserves, nous propose à manger et un emploi. Conséquence numéro 3, évidemment, si je n'arrive pas à attirer dehors, il faut que je retienne aussi chez moi. Et là où le care, la notion en tout cas de care, hein, on l'a vu sur l'évolution en tout cas de la sémantique, même dans les univers professionnels, aujourd'hui finalement c'est devenu un levier stratégique de rétention des talents. Et surtout la rétention des talents, donc la fidélisation de mes collaborateurs, elle est devenue stratégique en soi. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre en fait des fuites massives chez moi. Donc là aussi on assiste à quelques tendances justement. C'est là où on voit la frontière, on va dire, de plus en plus... de moins en moins nécessaire surtout entre la communication et les organisations et les structurations. On le voit par exemple avec Orange qui agit directement en fait sur son modèle qui récompense en fait l'engagement de ses salariés et l'engagement citoyen et l'engagement envers l'entreprise. C'est-à-dire chez Orange, maintenant, si j'ai 10 ans d'ancienneté, je peux partir un an en année sabbatique en étant rémunérée à 70% de mon salaire. Sous réserve que cette année-là, je la passe en fait, enfin que je la dédie à des projets citoyens. Donc on voit en tout cas une mécanique qui est extrêmement intéressante de récompense de la fidélité, mais également de récompense en fait de l'engagement. Et ça nous amène en fait à de plus en plus de dispositifs aussi, où l'entreprise devient en fait le catalyseur de l'engagement citoyen en fait des collaborateurs. On l'a vu sur les datas dont tu nous parlais, Laurent Cédric, sur en tout cas le besoin et la volonté d'avoir des marques qui s'engagent pour le bien commun, ben c'est pareil en fait pour chaque citoyen. Et l'entreprise en fait devient un vecteur de cet engagement-là. Elle me donne en fait la capacité à agir, à m'engager. Et là aussi, on le voit à travers des initiatives comme L'Oréal Citizen Day, mais il y en a beaucoup d'autres, qui permettent en fait une mobilisation des collaborateurs pour servir en fait les combats de l'entreprise et les combats des collaborateurs aussi. Donc on assiste véritablement à une rencontre justement par ces engagements en fait et cette volonté de construire une société plus durable. Et toujours en matière de care, on voit aussi en fait la multiplication, je ne sais pas si vous l'avez testé chez vous, mais d'initiatives qui concernent davantage en fait l'encadrement du bien-être au travail. Donc typiquement les initiatives comme le No Meeting Day, donc les journées en fait sans réunion ou sans interfaçage digital, les journées aussi sans email, il faudrait peut-être qu'on le teste nous en tout cas à l'agence, à réfléchir. Mais voilà, ça aussi c'est une véritable tendance, on va voir en fait l'accélération sur ce type de dispositif. En termes d'innovation,
Donc l'innovation, on ne va pas s'attarder sur toutes les innovations de la communication, mais plutôt sur celles en fait, qui vont impacter en profondeur et durablement nos métiers. On a beaucoup parlé de métaverse. Moi, je me rappelle, on en parlait déjà quand j'ai commencé dans ce métier-là. Et j'étais un petit peu déçue de voir que ce qui m'avait été présenté comme une véritable révolution n'avait jamais vraiment décollé. Par contre, on en a une autre, une vraie tendance pour le coup, et qui va s'inscrire en fait dans la durée, et qui pose vraiment question sur nos métiers, sur nos matières aussi d'interagir, de chercher en fait l'information. C'est bien évidemment l'intelligence artificielle. Donc la révolution, cette révolution-là, elle est bel et bien là. On le voit déjà par l'appropriation, puisque beaucoup de marques en fait s'en sont emparées. Donc il y a deux traductions de l'IA qui sont intéressantes en tout cas à noter. Il y a ChatGPT, bien sûr. Aujourd'hui, on ne parle que de ça dans les médias. C'est l'avenir des moteurs de recherche. C'est un nouveau mode en fait de recherche, puisque je passe par la conversation et l'interaction. Mais surtout, ce qui pose question, c'est aussi toutes les problématiques éthiques, en tout cas, couvrent ce type de nouvelles technologies, comme la question en fait, des sources, qui sont la véracité de l'information. On voit déjà des premières dérives avec des collégiens ou des étudiants qui génèrent en fait, leurs exposés ou leurs thèses via ChatGPT, des emails aussi professionnels apparemment, qui peuvent être générés par ChatGPT. Donc préparez-vous. De l'autre côté, on a aussi une intelligence artificielle qui nous permet en fait de dépasser les réalités du possible, les limites en fait du possible en termes de création. Donc là, c'est très intéressant en tout cas pour nous. On a deux exemples qui illustrent comment l'intelligence artificielle en tout cas peut être appropriée de manière fine et réussie. Le premier cas, c'est Becherel. Becherel en fait qui donne vie tout simplement à nos fautes d'orthographe. Grâce à l'intelligence artificielle, puisque quand je tape une forêt de pain, P-A-I-N-S, j'ai littéralement ma maison entourée de forêts de baguettes. De l'autre côté, on a aussi l'intelligence artificielle qui nous sert en fait de miroir de notre histoire, de notre impact et de notre patrimoine. Donc c'est le cas de Heinz. Heinz, c'est assez simple. Quand on tape en fait bouteille de ketchup dans une intelligence artificielle, les images qui ressortent sont systématiquement des designs de bouteilles Heinz. Donc ça installe finalement la valeur patrimoniale et finalement le poids et presque le caractère iconique de cette marque. Dans la tech, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques puisque je ne sais pas tout simplement, mais en fait la tendance générale, c'est qu'on va de plus en plus vers la protection évidemment des données. La protection également, on va dire, du référencement naturel et mérité, entre guillemets. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène en fait à repenser aussi nos modes de création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact va être de plus en plus difficile à obtenir à travers les données que je vais pouvoir collecter quand je vais communiquer. Donc, c'est la création qui va permettre en fait de conserver justement cet impact-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parcourt quand même au téléphone, au doigt, 140 mètres de scroll par jour. Donc, la question de l'impact en fait est juste cruciale. Aujourd'hui, je vois des têtes étonnées, moi aussi. donc voilà, ça pose vraiment la question dans un fil d'actualité. Comment est-ce que j'arrive à conserver mon impact? Et c'est là où on rejoint la question du branding, mais également du discours sociétal. Et sur les médias, là, c'est plutôt de se dire en fait que face à ce désilotage en fait des médias, moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait la presse écrite, la presse télé, la presse radio. J'avais un découpage finalement du paysage médiatique extrêmement siloté. Aujourd'hui, tout ça s'est libéré. C'est-à-dire que le son et l'écrit peuvent cohabiter. Aujourd'hui, tous les grands titres de presse en fait, ont leur propre podcast, thématique ou d'actualité, ont également en fait, leur compte sur Instagram ou toute autre plateforme d'ailleurs de consultation de l'info, développent en fait, des nouvelles narrations. Surtout, c'est ça en fait, qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les médias s'expriment différemment. Et toutes ces tendances en fait, qu'on a vues, on va les retrouver aussi en fait, chez les médias. Et ce que ça veut dire derrière, c'est que dans le cadre, par exemple, de vos relations presse, on a toujours, en fait, cette notion d'impact, en fait, qui va être clé. Donc, qui est de se dire, comment est-ce que je vais outiller, en fait, les médias dans le cadre de mes relations presse pour m'assurer, en fait, d'un relais de mes contenus. Donc, ça va passer par l'impact, mais ça va aussi passer, en fait, par un contenu tout simplement calibré par rapport à leurs attentes. Et je vais laisser conclure
Oui, alors ben justement, on en arrive à peu près, même on dépasse, je On crois, un petit dépasse un peu, peu. ouais. Donc voilà, on va accélérer. Trois idées en fait qu'on voulait vous partager en guise de conclusion et qui nous paraissent en tout cas des notions structurantes pour les stratégies qu'on va potentiellement déployer ensemble cette année. On l'a pas mal évoqué là dans nos discussions, mais cette idée de cohérence totale, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît assez fondamental, particulièrement quand on a une entrée en communication corporate. Cohérence finalement entre les différents champs d'expression de la marque. Cohérence finalement entre les différents champs d'engagement également. Et puis entre ma stratégie, mes combats et les actions associées pour que justement il y ait vraiment pas de dissonance de ce point de vue-là. Et puis aussi, bah, à l'instar d'ailleurs de ces mix médias innovants, complémentarité aussi des canaux et cohérence des canaux que je vais investir pour pouvoir finalement interagir avec mes audiences. Première idée, c'est donc celle de la cohérence. La deuxième idée, c'est celle du mouvement et finalement l'idée que on est toujours, comme je l'évoquais tout à l'heure, plus fort et on a plus d'impact si on agit à plusieurs. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Ben, c'est en effet réfléchir à comment finalement porter des combats ou des thématiques peut-être avec d'autres partenaires légitimes pour pouvoir les porter, mais aussi ça veut dire finalement d'équiper et d'outiller ces différentes parties prenantes pour que potentiellement elles soient elles aussi acteurs, actrices de ce mouvement et finalement qu'elles détiennent des éléments qui vont permettre justement de participer à des grands combats et à des mouvements aux côtés de l'entreprise. Et enfin, notre dernière idée, c'est celle de l'utilité. On trouve que il faut se re-questionner sur finalement l'utilité fondamentale de l'entreprise et on voit à quel point cette utilité, elle doit faire sens, elle doit permettre de porter à la fois les innovations, les engagements, les transformations et pourquoi pas mes innovations en matière de produits ou de services. Et que, en fait, finalement, c'est vraiment ce qui est attendu par la société et donc ce que je dois réfléchir à adresser également dans mes récits. Voilà, donc cohérence, mouvement et utilité, trois mots-clés pour conclure notre atelier sur la communication corporate.